La carrière professionnelle de Jim Campson débutera véritablement en 1989 avec Diakabo, qui d'ailleurs fait bouger la jeunesse ivoirienne, surtout le titre Yilebia. L'album a été vendu à plus de 80 000 exemplaires en Côte d'Ivoire. En 1991, Jim sort son second album intitulé Wayereho, qui apportera sa confirmation d'artiste pétri de talent au niveau national, car il sera sollicité un peu partout pour se produire en spectacle. Washington, Philadelphie, New Jersey et New York City. Mais de tous ces spectacles, l'artiste garde encore en mémoire son premier spectacle en 1995 au Centre culturel français d'Abidjan, ainsi que sa prestation en fin d'année en 1996 à Paris, aux côtés d'autres artistes de renom tels que Manu Dibango, Tiala Moana, Joannette Combs et bien d'autres. Cher public et chère Naomi, l'invité est à vous, Jim Campson, bienvenue sur Samedi, Samedi. Que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, nous sommes condamnés à vivre